Bonjour, bonsoir, salut tout le monde. Cette vidéo aujourd'hui, c'est par rapport à comment faire la rétus. Qu'est-ce que c'est que la rétus? Lorsque vous transformez vos cheveux en trailer pour la première fois et que vous donnez du temps à vos cheveux de pousser pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, ça dépend des personnes, et que vous revenez réutiliser encore les repousses de vos cheveux pour les transformer en trailer, c'est ce qu'on appelle rétus. L'intervalle de temps que vous devez prendre avant de faire la rétus, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Beaucoup de personnes vont vous dire 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois, ça dépend des personnes. Mais je vais vous donner d'abord les temps normaux pendant lesquels vous devez faire vos rétus sans pour autant avoir abîmé vos cheveux ni avoir des problèmes au niveau de vos cuirs chevelus. Le vrai que beaucoup de personnes font est qu'ils vont faire leur rétus après chaque fin de 1 mois, après chaque fin de 2 mois, et à le faire, ils n'auront pas suffisamment de cheveux manipulés sur leur tête. Si vous êtes en train de tirer le crochet, la longueur de cheveux sera un peu court comme ça, donc ils seront obligés à tirer les cheveux. Tirer les cheveux parce que dans leur tête, en le faisant, leur dreadlock vidéo va pousser de façon rapide, mais aussi les dreadlocks vont se loquer de façon rapide. C'est une fausse conception, c'est une fausse perception, c'est une fausse idée, je fais comprendre. Je vous explique. Forcer la situation pour pouvoir faire la rétus, il y a des conséquences. Vos cuirs chevelus vont s'enflammer. Lorsqu'ils s'enflamment, ils auront besoin du temps pour se recouvrir. Et ce temps de recouvrement va retarder la poussée de vos cheveux. Deuxième conséquence, lorsque vous forcez la situation à tirer vos cheveux, vous êtes en train de mettre la pression inutile sur les follicules de vos cheveux et les fibres de vos cheveux. Donc n'importe quel petit mouvement que vous allez faire dans le futur, même en touchant vos cheveux, en tirant vos cheveux vont commencer à se casser. Et lorsque vos cheveux commencent à se casser, ils vont commencer à tomber. Je fais comprendre. Je vais vous poser la question de savoir comment est-ce que vous allez avoir de gros et longs cheveux sur vos têtes. Donc gardez votre main en dehors de vos têtes. Je vous dirai plutôt de faire 3 mois à 4 mois avant de faire la rétuche. Pourquoi je dis 3 mois à 4 mois? Moi particulièrement, je fais 4 mois, mais il peut y avoir des personnes qui sont génétiquement faites pour faire les cheveux. Donc, ils peuvent pousser les cheveux pendant 3 mois et moi qui ai poussé les cheveux pendant 4 mois, ils ont beaucoup de cheveux plus que moi. Donc, voilà pourquoi je dis 3 mois à 4 mois. Donc, cela dépendra de vous. Essayez de voir chez vous. Si vous pouvez pousser les cheveux, beaucoup de cheveux pendant 3 mois, vous pouvez faire vos rétuches pendant 3 mois sans pour autant mettre la pression. Beaucoup de personnes sur vos chevelures et sur les fibres et les follicules de vos cheveux. Est-ce que je fais comprendre? C'est l'idée principale qui est là. Si tel n'est pas le cas, partez jusqu'à 4 mois. 4 mois serait votre minimum. Maximum serait 6 mois. Lorsque vous partez au-dessus de 6 mois, vos dreads vont commencer à se coller l'un à l'autre au niveau de la racine. Si vous avez des partitions, des portions, vous allez commencer à perdre ces portions et ces partitions. Donc vous ne voulez pas être dans ce genre de situation. À partir de 6 mois, ça c'est le maximum. Ne partez pas au-delà de 6 mois. Si vous ne le faites pas, vous allez faire freeform. Moi, je n'aime pas le freeform, mais si vous aimez le freeform, il n'y a pas de problème. Les dreads sont jolis. Voyez mes dreads. Commencez à faire la rétuche de vos cheveux. Moi par exemple, j'avais fait mes rétuches le 2 juin et je suis aujourd'hui le 2 juin. Ça c'est un mois. Pourquoi mes cheveux ne sont pas tellement ordonnés? Parce que j'ai déjà un mois de repousse. Je fais compagnie. Je vais attendre encore après 3 mois, total ça fait 4 mois, je vais aller faire 1000 mes rétuches. Donc c'est ce que vous devez faire. Et c'était tout par rapport à cette vidéo. Si vous avez des questions à poser, posez-moi vos questions, je suis là pour répondre à vos questions. Allez, bye.